Donc bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats que j'ai fait cet après-midi, pardon. Donc normalement c'est mes derniers achats, j'achèterai plus rien. Donc c'est ce qui manquait en fait, c'est ce qu'il me fallait. Donc je suis allé au Leclerc, je suis allé au Jiffy et je suis allé au Cora. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté au Jiffy. Donc au Jiffy j'ai acheté cette guirlande. Donc c'était une guirlande multicolore de 120 LED en 12 mètres. Donc 11 mètres 80, enfin 90 je crois. Oui, 11 mètres 90. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté au Jiffy. Donc ensuite je suis allé au Cora, au Cora j'ai rien acheté. Et après je suis allé au Leclerc. Donc au Leclerc j'ai acheté deux fois la même guirlande. Donc 600 LED, donc c'est une guirlande tube en néon. Donc 600 LED, donc en 5 mètres, 2 fois 5 mètres, comme ça fait 10 mètres. Et une rallonge de 10 mètres avec au bout deux prises comme ça. Donc je vais vous dire les prix. Donc celle-là, je l'ai payée 11,90€. Celle-là, 19,90€. Et celle-là, 19,90€. Et celle-là, 9,99€ la rallonge. Donc je vais. Donc on va les tester, hein. Donc on va commencer du coup par la guirlande que j'ai acheté au Jiffy. Donc c'est une guirlande multicolore avec un câble transparent. Voilà. Donc, hop, je la sors du carton. Voilà. Déjà, moi je vous conseille quand vous achetez une guirlande là au Transfo, donc vous mettez un rilevin ici, comme ça quand le Transfo il tombe, bah, ça va pas tirer sur le câble, ça va tirer sur ce qu'il y a sur le rilevin. Donc je le ferai après et je vous montrerai, je le fais pas tout de suite parce que je vais d'abord vous montrer les trucs. Donc on va ma multiprise. Hop. Ah, ça va être dur à brancher hein, la première fois. Voilà. Donc voilà. Donc il y a 8 programmes. Donc comme sur toutes les guirlandes. Hein, comme ça. Donc il y a 8 programmes. Hop. Donc il y a le programme standard comme ça. Y a ça, enfin en fait il y a tous les programmes standards qu'il y a sur toutes les guirlandes quoi. Donc voilà pour cette guirlande. Et maintenant on va passer à la guirlande néon. Donc celle-ci je l'ai achetée au Leclerc, donc elle est en 230 volts 25 watts, c'est des LED hein. Donc voilà, elle flash vraiment. Ah, par contre, les clignotes à la caméra, elle n'est pas censée clignoter. Donc elle flash vraiment fort. Hein, parce que c'est. Il y a 600 LED quoi. Et je vais vous montrer la deuxième. Donc, c'est exactement les mêmes, mais. Donc si ça vous intéresse, il y en a au Leclerc de celle-là. Voilà. Ouais, par contre pourquoi ça clignote? Bah, elles sont pas censées clignoter hein. C'est le rafraîchissement de la caméra je pense qui fait que ça clignote. Donc voilà pour mes derniers achats. Donc cette guirlande je l'ai achetée pour remplacer la guirlande que je vais mettre sur mon cadeau. Donc je vais le faire tout de suite là, je vais aller rentrer mon cadeau et je vais la changer la guirlande. Et celle-ci je vais les je verrai ce que je ferai avec hein. Au moins j'ai deux guirlandes en blanc chaud. Parce que j'aime pas le blanc froid en guirlande tube. Donc voilà. Donc, avec la prise. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah non, j'ai. Ah non, en fait c'est tout. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Donc au revoir.